Bonjour, donc je suis Antoine Gracian, chef de produit cabine pour le groupe Photomy, plus connu en France sous le nom de Photomaton. Parfait. Est-ce que vous pouvez décrire Trustec en quelques mots? Alors nous, c'est la deuxième fois qu'on vient à Trustec. Et pour nous, Trustec, c'est l'endroit où on vient se lancer pour obtenir du feedback et des contacts dès qu'on a une nouvelle innovation de ce type. D'accord. Pour vous, quels sont les principaux enjeux de tout ce qui est lié à la technologie de confiance, justement? Alors, je vais vous parler de ce sur quoi nous, on se penche. Pour nous, c'est la sécurité, la rapidité et le confort du client. C'est pour ça qu'on innove. On essaye d'apporter de la photo 3D, des points de rencontre entre les clients et les banques pour que ce soit toujours plus simple, toujours plus rapide, mais sans faire de compromis sur la sécurité. J'imagine que c'est très important pour vous d'être ici à Trustec avec tous les autres acteurs de l'industrie. Et bien, très important. L'année dernière, quand on est venu à Trustec pour la première fois avec un produit 3D, on n'avait aucune idée d'où on mettait les pieds. Et cette année, c'est la reconnaissance, on a une récompense, on retrouve des contacts de l'année dernière, de l'industrie. Et c'est très important pour nous d'avoir leur retour sur ce qu'on leur présente pour voir où on peut aller ensemble avec ce genre d'innovation. Je me dis que c'est un petit peu tôt, mais est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises ici à Trustec aujourd'hui et que vous avez découvertes? Donc on a été très occupé aujourd'hui, mais j'ai eu le plaisir d'assister à la remise des prix Sésame Awards, donc de voir de belles entreprises présenter de nouvelles innovations, justement prendre leur chance à Trustec et rencontrer du succès. On a une en particulier ou... Je pense qu'à la base c'était un salon très spécialisé sur les cartes, et aujourd'hui ce que je vois par rapport à l'année dernière, c'est de plus en plus d'innovations peut-être qui sortent un peu de ce domaine. J'ai entendu qu'il y a un pôle réalité virtuelle sur le salon. Donc à mon avis, Trustec, ça va être l'endroit où les gens viennent voir et montrer vraiment ce qu'il y a de plus nouveau, donc prendre des risques pour justement mettre en avant ce qu'ils ne montreraient peut-être pas ailleurs. Est-ce qu'on aura du coup la chance de vous revoir l'année prochaine sur Trustec? Alors je pense que oui, définitivement. On est revenu cette année parce que justement on a eu un très bon accueil l'année dernière. Cette année, ça se concrétise justement avec une récompense. On espère avoir de nouvelles choses à présenter l'année prochaine, tout aussi excitante. Et vraiment, il nous tarde. Alors, je vais vous mettre le prix. Hein. Voilà, le prix, c'est là. Hop, merci. Allez, donc, qu'est-ce que représente ce prix, justement? Pour Photomaton et pour le groupe Photomy, qui sont vraiment des entreprises matures, qui font partie du quotidien des gens, c'est important de montrer qu'on est, nous aussi, en train d'innover. Qu'on a aussi nos petites startups internes et qu'on peut être reconnu, même quand on a été fondé en 1936, on peut gagner des prix d'innovation en 2017. Ce prix pour nous, c'est l'occasion de montrer que même pour une entreprise comme Photomy, Photomaton, qui a été fondée en 1936, on peut gagner un concours d'innovation en 2017.